C'est dans l'Aveyron, en Trail-sur-Truyère, que l'on se retrouve pour la finale du Trophée de France des classiques de moto-trial 2023, avec pas moins de 300 pilotes engagés ce week-end de 10 nationalités différentes. Et parmi eux, des pilotes très talentueux, mais aussi des célébrités des sports mécaniques, avec notamment un vainqueur du Dakar en catégorie auto, un champion du monde de moto-trial, mais encore un vice-champion du monde d'enduro. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille dès cette première journée les rencontrer au cœur des Gorges de la Truyère. L'ambiance est top. C'est ma première expérience et elle est bonne. Elle est vraiment géniale. Là, on se régale. En plus, le soleil, enfin, le beau temps se lève, arrive, il n'y a plus de pluie. Pour l'instant, c'est tranquille. Je reprends un peu parce que ça fait longtemps que j'en avais fait, mais c'est sympa, ça change. Je suis venu, moi, que pour la Ligo. On m'a filé un truc, il m'a dit ici, il faut que tu fais les 3 jours de la Truyère. J'ai pas mangé la Ligo. On se retrouve ici en Trail-sur-Truyère pour la deuxième journée des 3 jours de la Truyère de Moto Trial édition 2023. Les pilotes ont pris le départ ce matin dans la bonne humeur sur les communes de Golignac, d'Espeyrac et de Campuac. Et la bonne ambiance était présente aujourd'hui, élément clé de ces 3 jours de la Truyère, à travers les célébrités, les pilotes élites, mais aussi les pilotes féminines qui sont présentes ici ce week-end à Entrail. Happy to be here, my first time this race, so just for enjoy, and I hope public also enjoy for this. Ben, enfin pas de pluie, donc une journée encore plus motivante. Et j'ai déjà fait 2 zones et franchement je me régale pour un premier classique, c'est génial.
On a une ambiance qu'on n'a jamais vue depuis l'existence de ces trois jours de la Truyère. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je crois que ça donne l'envie et on comprend pourquoi cet engouement, puisqu'il y a eu plus de 600 demandes et on ne peut accueillir que 300 pilotes. C'est vraiment extraordinaire. On va s'en souvenir, je vous le dis. L'ultime journée de ces trois jours de la Truyère ici en trail. Les pilotes ont pris le départ en direction d'une nouvelle boucle sur le secteur de la Viadène aux portes de l'Aubrac. Le sprint final a été donné au cœur des zones de Besbeden qui a permis de sceller les victoires dans les différentes catégories et notamment le trophée team qui a été remporté par une nouvelle équipe cette année. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de ces trois jours de la Truyère. Et on vous donne rendez-vous dès à présent, dès l'année prochaine, pour vivre la 9e édition des trois jours de la Truyère.